Salut tout le monde, c'est David Foutimasseur et je suis fier de vous présenter ma toute dernière bricole. Le mini-kart. Nous sommes le 28 février 2017 et aujourd'hui, c'est les 60 ans de Gaston Lagaffe. Ce héros dessiné par Franquin et JDM. J'ai toujours été très inspiré par ce personnage de bande dessinée qui construit toujours des choses un peu folles. Et j'ai décidé de construire en vrai une de ses inventions, le mini-kart, qui apparaît dans l'album. R3, gare ou gaffe du gars gonflé, aux éditions Dupuis, par Franquin et JDM, publié en 1973. Et à la page 23, la planche 354, nous découvrons ce fameux gag de Gaston Lagaffe et de son mini-carte à travers les bureaux. Le fameux carte dans sa livrée orange. Moi, j'ai construit en vrai ce véhicule. Mon kart à moi, je l'ai construit comme ça. J'ai pris un moteur de débroussailleuse, une débroussailleuse japonaise. Le moteur est un 20 cm3 qui tournait plus ou moins bien. Ainsi que un patin à roulettes avec ses petits trous. J'ai adapté dessus un carburateur de tronçonneuse. La transmission se fait par chaîne avec une tête de meule à disque directement en roue à l'aide d'une deuxième chaîne. Ce kart d'une longueur totale de 88 cm pour 42 de haut et 33 de large pèse 12 kg et 200 grammes. Ce bolide atteint la vitesse de pointe de 10,5 km/h. Ça fait peur sur des roues de à peine 50 mm. Il possède un frein à disque dont la commande est au volant, la poignée des gaz tirée de la débroussailleuse d'origine est aussi sur le volant. Démarrage à la tirette. Pour l'histoire, j'ai lu cette bande dessinée pour la première fois de ma vie quand j'avais 10 ans. Et en lisant cette fameuse planche du mini-kart, je me suis dit, un jour, je construirai ce mini-kart pour de vrai. J'ai dû attendre une quinzaine d'années, ainsi qu'un apprentissage en tant que mécanicien pour avoir les compétences et le matériel pour le réaliser. Puis 5 autres longues années pour le construire et le mettre au point au niveau de la transmission, des freins, de la direction. C'était très compliqué. Mais au final, voilà le résultat. Ça fonctionne. Bon, on y va?